Hey, what's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien et que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo où on va parler un peu d'actualité, de notre confinement à nous, de seule Île-de-France et des salles de sport et tout ça, alors, parce que c'est important d'en parler. Bon, déjà, vous êtes très nombreux à venir me voir et me charrier en me disant, ça fait quoi d'être confiné en Île-de-France? Comment tu gères le confinement? C'est pas trop chaud le confinement? Bah, figure-toi que moi, je vois pas la différence. Et nous, dans l'Île-de-France, on voit pas la différence parce que c'est la même chose. Les magasins restent fermés, tout reste fermé, mais nos salles de sport à nous sont ouvertes, clairement. Rien n'a changé dans le décret. Les salles de sport pour nous restent ouvertes, clairement. Non, j'ai enlevé les lunettes parce que là, je ressemble à un médecin traitant et c'est pas le thème de la vidéo. On n'est pas en thème médecin traitant là. Par contre, je pense que l'accès en salle est toujours le même, soumis à l'ALD. D'accord? La fait selon longue durée. Donc voilà, faut se trouver un médecin pour se la faire. C'est très compliqué. Au début, voilà, c'était facile, fallait être vif. Maintenant, on va pas se mentir, trouver un médecin qui va te faire une ALD. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Sachant qu'il y a quand même des contrôles en salle, donc faut faire attention. Pour toute fausse prescription, ah, vous allez prendre cher, les mecs. Prendre une amende, je sais pas, ça peut aller plus loin, mais déjà l'amende, vous allez la payer, c'est sûr. Et ce qui est bien, c'est que maintenant on gagne 1 heure. Donc les salles ne ferment plus à 18h, mais 19h. Ça, c'est bien. Parce que nous, à partir de 16h, déjà, c'était le feu. Mais là, c'est bien parce que ça va assouplir, on va dire, plein de choses. Et on aura un peu plus de liberté en salle de sport. Même si j'aurais aimé un truc comme en Belgique à 22h, parce que oui, je suis parti en Belgique il n'y a pas longtemps, la semaine dernière, avant tout, pour acheter une caméra. Mais ça sera l'objet d'une autre vidéo, parce que tu connais plusieurs vidéos, plusieurs vues, plus de sous. Voilà, on va faire les choses bien. Et c'est un thème assez long. Par contre, ceux qui sont un peu plus vers le nord, je pense qu'eux aussi, ils sont confinés. Vous, c'est chaud, parce que vous n'avez pas de salle de sport, vous n'avez rien du tout. Ouais, vous c'est compliqué. Et d'ailleurs, c'est pas que dans le Nord, il me semble que dans plusieurs parties de la France, vous n'avez pas de salle de sport. Et peut-être que vous vous étonnez que à Paris, c'est bizarre, c'est ouvert. Moi, je vais vous expliquer les choses, j'ai ma théorie à ce sujet. À Paris, c'est simple. Et je dis Paris, mais j'ai envie de dire dans l'Île-de-France, c'est simple. Il y a plusieurs salles de sport. Dans une ville, il peut avoir 3 ou 4 enseignes différentes de salles de sport. Tu vois? C'est-à-dire que tu as Fitness Park, Basic Fit, Giga Fit dans la même ville. C'est incroyable. Et si tu veux, c'est un milieu de requins. D'accord? Tout le monde veut prendre le marché de tout le monde. Donc, là-bas, ça bouge. Tu vois? Là-bas, quand il y a des restrictions, quand il y a des décrets, ben, ça lie tout. Toutes les lignes des décrets, ça lie toutes les restrictions. Et si ils voient qu'ils peuvent contourner certaines règles pour ouvrir leur club, ils le font. Et c'est ce qui s'est passé. C'est l'enseigne Honor, la Courneuve, qui a ouvert le bal, on va dire. Et tous les autres ont suivi derrière, clairement. En fait, c'est simple. Quand l'enseigne Honor a ouvert, tous les gens qui étaient inscrits à Fitness Park, Basic Fit et tout, ben, ils sont partis à Honor, d'accord? Ils ont bloqué leur abonnement, ils ont dit, bon, c'est bon, il y a une salle ouverte, donc je vais dans celle-ci. Et ils ont pris le marché de plein de salles. Ils ont pris des adhérents de plein de salles. Et du coup, les autres salles étaient forcées d'ouvrir. Vraiment, ils étaient forcés. Parce que c'est soit ils laissaient l'argent à Honor, clairement, ou soit ils ouvraient. Donc, tout le monde a ouvert, toutes les enseignes sont ouvertes. Ceux qui veulent pas ouvrir, c'est ceux que vraiment, voilà, ils ont pas envie, ou le siège leur dit non, c'est bon, c'est chaud, restez fermés. Mais ceux qui sont ouverts, c'est ceux qui ont pas envie de perdre leurs clients, leurs adhérents, parce qu'ils ont besoin de ça pour vivre. Et si ils se font prendre tous leurs adhérents, bah, la réouverture, s'il y a une réouverture officielle, ça sera très très dur pour eux, vraiment. Et je pense que pour ceux qui sont un peu plus loin, vous avez une ville, une salle de sport, ou une ville et 2 salles de sport. Donc ça va, ça se partage, les adhérents. D'accord? À Paris, il n'y a rien qui se partage. À Paris, il y a des salles de sport à 10 000 km. Ça veut dire que moi, quand je vais m'entraîner dans un fitness park, par exemple, j'ai le choix d'aller dans 5 ou 6 fitness parks. C'est incroyable. Je peux partir où je veux, clairement.
Et après, voilà, il y a deux, trois enseignes, des Basic Fit et tout. Il y en a plein partout. Je peux aller où je veux. Et ça, quand il y en a un qui est ouvert et tous les autres s'est fermé, ben, ça tue le business. Et du coup, tout le monde est obligé d'ouvrir, malheureusement. Donc voilà au niveau de l'actu de salle de sport. Donc voilà au niveau de l'actu de salle de sport. Donc voilà au niveau de l'actu de notre confinement. Nous, on est bien, tout se passe bien en Île-de-France. Force à tous ceux qui sont pas en Île-de-France et qui ont les salles fermées. Moi, je continuerai à faire des programmes de sport. Là, j'ai fortement diminué les programmes parce que voilà, j'avais des projets pro et tout. Et je me suis consacré un peu plus dessus. Dans tous les cas, tu verras dans la prochaine vidéo qui va venir quand je vais te parler de l'achat de ma caméra en Belgique. Parce que c'était une épreuve. Mais là, c'est bon. Là, j'ai du temps. On va reprendre les programmes maison. Et aussi, un programme qui me tient à cœur, c'est un programme pompe freestyle. D'accord? Ça me tient à cœur, j'ai vraiment envie de le faire. Mais on va reprendre ça. Sinon, je tiens vraiment à tous vous remercier pour toute la force que vous m'apportez grâce au programme que je fais. Voilà, c'est vrai que dans les commentaires, vous me dites, ouais, tu mérites d'avoir plus de vues et tout. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. Mais je sais que chaque jour, bah, mes vidéos sont regardées tous les jours. Les gens font des programmes, les gens lâchent pas. On m'envoie des photos et tout. Ça me fait super plaisir. Et je réponds à tout le monde sur Insta. D'ailleurs, suis-moi sur Insta, c'est important. Mais merci, merci énormément. Et je continuerai, je lâcherai pas. On est là pour avancer ensemble. On va atteindre nos objectifs ensemble. Et on va avancer. Sachant que j'ai envie de faire un petit régime, tu vois. On parle pas de sèche, on parle de régime. J'ai envie de me tracer un peu plus. Là, ça va. J'arrive à, on va dire, me découper un peu. Mais on va essayer de faire sortir les abdos. Je sais que je l'avais déjà dit l'année dernière, mais c'était compliqué. Mais là, on va essayer de le faire vraiment. Parce que je fais des programmes. Et je vais faire aussi des programmes HIIT. D'accord? Je sais que ça va être chiant. Ça va être casse-couille. Mais on va le faire. On va le faire ensemble. C'est important. On va progresser ensemble. Le printemps est passé. Donc il faut qu'on s'occupe de nos abdos. D'accord? Confinement, été ou pas, faut qu'on dérange quand même. D'accord? Faut qu'on sorte en étant bien. Faut qu'on soit fiers. Parce que là, avec toutes les canicules qui aura là, c'est sûr qu'au bout d'un moment, le gouvernement il dira sortez torse nu, les frères. Donc si on sort torse nu, il faut qu'on ait des abdos, c'est important. Si t'as aimé cette vidéo, je t'invite à mettre un j'aime, un petit commentaire, ça fait vraiment plaisir. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et aussi à mon Instagram si c'est pas fait. Et moi je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.